Coucou! Bonjour! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut Pascal, tu vas bien? Ça va encore, très bien. Et toi? Bon, bah oui, plutôt bien, puisque regarde, je suis bien entouré. T'es bien entouré, ouais. Oui, pour la vidéo de ce matin, on a choisi un match intermarque. Eh oui! Tu vois, parce qu'on nous a demandé entre Gibson, Les Paul, Standard 50. Oui. Et Epiphone, Les Paul, Standard 50. Ah, oui. Vous allez me dire, tu vas me dire, bah ouais, mais c'est pas les mêmes gammes de guitares. Oui. Mais on l'a fait exprès pour regarder un petit peu les specs de ces guitares. On y reviendra après. Et ensuite, on s'est branché dans quoi, Pascal? Je crois qu'on s'est entouré d'un mur de Marshall. Regarde, ouais, mais... les Marshall autour de toi, plein. C'est beau. Toutes les couleurs, oh, oui. Tout ça. C'est beau, c'est beau. Mais on a choisi celui-là. Un petit JCM 800 Custom Design en Purple Levant. Eh, il est trop beau. Avec son 212 qui va avec. Il est trop, trop, trop beau. Mmh. Et non seulement il est beau, mais allez voir. Il sonne, l'enfant, il sonne. Et puis comme il n'a pas de reverb, hein, tout va bien, on s'est dit, on va mettre une petite reverb derrière pour accompagner, pour mettre un peu de sauce, de piment là-dessus. Quoi. Un petit peu. Et on a choisi... la MXR M300. Ça, c'est la reverb... complète. Complète, dedans, il y a les plates, les springs, les pics, le mode, le room, le pad. Avec un petit bouton, on fait défiler tout ça. Et puis, c'est plutôt très, très, très bien. Pointu, voilà, on a vraiment des réglages très affinés dessus. Moi, j'aime bien. Voilà, c'est une bonne pédale de reverb, ça. Hein. Mm. On vous donnera tous les prix tout à l'heure en tournant. En tout cas, On s'est fait plaisir, dis donc. Ouais, un petit peu. Hein? Bon, j'ai commencé par ce qui m'attirait le plus, évidemment, quelquefois. Gibson. La Gibson Les Paul Standard 50 Tobacco Burst. Ouais, celle-là, bon, elle claque un peu la tête. Hein. Un petit peu. Bon, on a entendu les sons tout de suite dans le machin qu'il y a derrière moi, le Marshall. Les Paul Marshall... Voilà, bon. On voilà, se bon, pas grand-chose à dire, d'ailleurs. Mm. tu m'en parles de la belle? Oui, donc une belle Les Paul typée 50s, du coup, avec un gros manche. On a une touche palissandre, on a une belle table flammée. Oh oui, regarde ça, non, table bon. Érable. Oh. Corps en acajou, oui. Manche en acajou. Oui. Et puis, voilà, on les a... les petites mécaniques qui vont bien. On a les petites mécaniques de luxe. Voilà. Voilà. Le corps et derrière, puis, c'est joli, c'est beau. C'est beau, hein. Et c'est bien fini. Voilà. Et t'as les beaux micros aussi, du coup. Oui. Burst Bucker 1 et Burst Bucker 2. 2. Voilà. Bon, les micros, ça marche. La guitare est assez légère. Hein. Ça reste une Les Paul, hein, standard, attention. Hein. Le manche, et les enfants, on est en 50. Hein. Ouais, il y a un peu de matière, quoi. Il y a du monde. Alors, comme on dit toujours, hein, Pascal, si on vient de marque japonaise, on peut être dérouté au début. Hein. Ouais. Voilà, si on a l'habitude de jouer avec des allumettes, là, d'un coup, pan. Là, on se retrouve avec une bûche. Mais c'est très facile. On s'aperçoit que très rapidement, le machin, on l'a en main. Et on voit déjà qu'on résonne. Avide, bien, bien, bien. Alors, ça, c'est... très important. Bon, écoute, je vais passer en revue la guitare sur ces petits micros. On en un peu moins fort, un peu moins chargé. Je vais commencer par mon micro qui est ici. Voilà, donc mon micro manche. Hein ? Thank you.
attaque ou soit beaucoup plus, tu vois. Bon, on est en plein dedans, ok ouais. Tiens, la config de micro, c'est intéressant aussi des fois. En intermédiaire, qu'est-ce que ça donne? Ouais, je joue un peu avec mes tonalités aussi. Sympa, tu vois, hein, j'ai un truc complètement différent, hein. J'adore. Et pour finir, mon micro cheval d'attaque. Ça marche. Ah ben, prends ça marche très très fort. Ça marche très très fort. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup cette petite Les Paul. Bon, hey, t'as vu Je vais voir le Marshall, le réglage. Un ouais, peu. Ouais. Alors, et qu'on a. Oh ben, tu vois, j'ai. La bon, présence, la basse du middle de treble. Le ouais. Master, on voit qu'il n'est pas très très poussé. Non. Et le préamp, voilà, qui est boosté un peu quand un même peu. À 8. Hein, ben oui, pour envoyer un peu de graillon. Sur du high. Hein, et là, on est en high, évidemment. Bon, le GCM 800, qu'est-ce qu'on peut dire de ce monstre sacré de chez Marshall, hein? Tout a déjà été dit là-dessus. Moi, ouais, hein, je pense qu'il y a des pages et des pages et des pages et des tonnes de vidéos. Il n'y a qu'à le laisser parler lui-même, voilà, je pense. Et on parle du petit 212 en dessous parce que celui-là, enfin, je l'adore. Voilà. C'est un 212 là, remarquable. Ah, et puis le petit look est sympa. Hein, super, super petit ampli. Bon, t'as vu que là, j'ai changé. Eh oui, on passe sur l'Epiphone. Ouais. Tac, 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 en 50. Et Vintage Sunburst. Alors, guitare, évidemment, pas dans les mêmes tarifications. C'est pas... tout est un peu différent dessus. Et c'est intéressant parce que cette guitare, à ce petit prix, ben, elle fait des belles choses. Hein, elle fait de belles choses. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver du coup? On va retrouver un corps en acajou, ouais, avec une table érable. Oui. Hein. On va avoir un manche en acajou. Oui. Une touche en laurier. Hein, parce que c'est comme ça. C'est maintenant. Oui, ça s'est un peu imposé, hein, le laurier, oui, sur les, ouais, petites. Sur les, oui, guitares un peu moins chères. Avec le bois et tout, etc. Maintenant, c'est plus compliqué. Et je pense que ça va continuer à être compliqué. Après, au niveau des micros. Pouf. On a les Probeker 2 et Probeker 3. Voilà, les micros qui sont faits par Epiphone, qui sont des copies. Excusez-moi, de... Excusez-moi, c'est... Et bon, après, au niveau de l'électronique, t'as les CTS. 4 hein, des 6. Bon, CTS, pas mal, ça marche bien. Tu vas voir, là, je vais faire le truc un peu plus... Bon, voilà, on va voir ce que ça donne. Ah ben, il rentre dedans, hein, le petit micro. Hein. Carrément, ouais. Hein, tu vas voir. Hein. Bon, ça, c'est pas mal, toi. Écoute, hein, franchement, elle fait son boulot. Hein. Je vais le mettre sur le micro, là, pour voir un petit peu, avec moins d'attaque, pour voir ce que ça donne. Hein. Un peu comme tout à l'heure. Un petit crémeux. Ouais. Bon, alors, moins de présence, hein, évidemment. Hein. De précision. Thank you.
c'est pas mal, hein. Que dire, simplement la guitare est évidemment à la moins de, d'impact. On est un peu moins précis sur les micros. Un petit peu plus brouillon son micro manche. Manque d'un côté incisif sur le côté micro là. Ça doit être beaucoup jouer avec les micros en fait. Oui, beaucoup jouer avec les micros. Le manche, on est en 50, un peu comme sa grande soeur à côté. Ben ouais. Un peu moins épais, pareil. Peut-être un petit peu moins. Moi, c'est une sensation personnelle. Hein. Peut-être un petit peu moins épais sur la guitare, hein, tu vois, où j'ai peut-être un petit peu moins de matière. Bon, facile à jouer, puisque ben, ce tarot de guitare, évidemment, Pascal, ça se situe dans les 500... T'es dans les 500 balles 550, 60, 70 balles, ça dépend du dollar. Et la copine? Ah ben la copine, ben oui, bien sûr, la copine, on s'envole un peu, parce qu'on est dans les 2200 balles. Eh oui. Hein, mais... Deux choses différentes. Bah, deux mondes différents. Complètement différents. C'est-à-dire que d'un coup, on a un budget de 550 balles et on veut approcher le monde Gibson, Les Paul, tout ça. Ben, franchement, c'est standard 50. Faut y aller les yeux fermés. Oui. Les yeux fermés. Et puis, regarde, tu peux te faire plaisir en mettant un set de micro. Ah, voilà. On nous parle souvent de ça. Vous dites souvent, ouais, nanana, upgrader les guitares, etc. Mais oui. Mais des SP custom là-dessus, ou je sais pas quoi, moi, des micros bobinés à la main, bien sûr. Bah, c'est pas la même. Bien sûr. Ça va sonner un peu plus ouvert, un peu plus puissant, tout ça. La lutherie est excellente. La guitare est très bien finie, etc. On change les deux micros, boum, on se retrouve avec une épi qui commence à sonner un petit peu beaucoup, hein, un petit peu beaucoup. Ouais. Évidemment, alors maintenant, est-ce que ça va sonner comme sa grande sœur là? Bien non, puisqu'il y a des bois, il y a tout ce qui est autour. Hein, bah oui. Voilà. Parce qu'on parle toujours, ouais, mais les bois, c'est pas très important d'une guitare électrique. Mais si, c'est important, la résonance et tout. Hein, c'est important, si je mets ces micros-là sur un manche à balai, hein, ou alors un truc de cagette, ça sera pas pareil. Donc voilà, ça c'est très bien. Bon, et ça va être dur de choisir là. Ouais. C'est à toi. Mais tu peux pas nous faire un petit droite-gauche là pour moi? Oh, droite-gauche, ah, ça y est, je savais que ça allait. Ouais. Alors tu veux en le même charge, riff? Le même riff en pleine charge, d'accord? En pleine charge et le même riff en clean ou je sais pas. Ouais. Ok, pas de problème, donc épi. On va y aller. Hein? Ah ben on part avec l'épi alors. Ok, épi direct. Hein. Ok, tu l'as dans l'œil, hein. Ouais. Hein, tu l'as dans l'œil. Dans l'œil. Dans l'œil, c'est pas le mou l'œil, parce que bon, c'est pas terrible. C'est pas trop là. Dans l'oreille. Plutôt. Je vais vite, t'as vu un peu la vitesse que je vais, c'est un truc de fou quoi. Ouais, y a pas photo, hein, quand même. Petit peu. Ben non, on en parlait tout à l'heure, c'est incisif, ça rentre dedans. D'ailleurs, je tiens son micro là, mais si je me mets sur le micro là et je fais des changements, bon, ce sera exactement pareil. La guitare, la Gibson, va répondre beaucoup plus à vos attentes, évidemment, dans tous les secteurs de jeu. En disant que c'est vraiment une Expo standard, quoi. Mais oui, voilà, fait le boulot de... C'est pas machin. Donc, oui, la différence, il y en a une, allez, c'est bon, on l'a fait exprès, justement, de prendre une guitare à 500 balles et une guitare à 2200 balles. Hein, c'est la même marque, c'est bien Gibson et Epiphone, c'est bien les mêmes, hein, on est bien d'accord. Hein. Gibson Family. Il y en a une qui est fabriquée. Bah, en Chine. China. Voilà. Et la Made in USA. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Alors, une chinoise, une Amerloc. Si on a le budget, faut pas hésiter, faut partir sur l'américaine. Bon, maintenant, si on n'a pas le budget, etc., tout ce qu'on a parlé, bah, l'épiphone, tu prendrais quoi, toi, comme ça, hein? Alors, on oublie le prix, on oublie le truc, toi. Ah, j'oublie le prix, bon. Ouais, on se passe sur le côté, ben, voilà, vas-y. Voilà. Hein? J'ai déjà des épiphones à la maison, hein, les James Jared Nichols, ouais, qui sont très très bien. Donc je vais prendre la Gibson. Ok, voilà. Bah, il prend la Gibson. Ouais. Eh ben, moi j'ai pensé, tu vois bien, aux personnes qui n'ont pas un budget de 2200 balles, et il y en a beaucoup, hein, qui ont un petit budget, mais qui veulent une belle guitare, qui sonne, etc. Ben, moi je prends l'épiphone. Voilà. Voilà. Je prends l'épiphone parce que je sais qu'à un moment donné, je pourrais upgrader cette guitare. Sachant qu'en plus,
Il y a la petite Epiphone 59 qui existe, oui, et qui est plutôt pas mal. Hein, ouais, 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 ouais. Attention, il y a une belle gamme. Hein. Ouais. Très belle gamme chez Epiphone en Les Paul. Et puis ben, la gamme de chez Gibson, pas mal non plus. Ben voilà les enfants. En tout cas, voilà un petit essai entre les deux guitares pour vous faire voir un petit peu la différence entre l'Amérique et le China Epiphone. Mais c'est très bon dans les deux cas. Ça dépend de votre budget. En tout cas, nous, on vous fait des gros bisous, hein, Pascal. Ouais. Et hein, puis, attends, il faut... Bah. Tu veux pas t'abonner peut-être pour suivre nos vidéos ? Attends, je m'abonne tout de suite. Alors attends, j'adore ça, c'est le bouton, le fameux bouton. Eh ben le bouton, il va être sur la tête de ma Gibson. Là ! Là, là, voilà. Et puis vous abonnez, vous nous envoyez comme d'habitude, on en reçoit beaucoup beaucoup de mails, hein, Pascal. Hein. Oui. Beaucoup de SMS, etc. Pour nous demander, faites ci, faites ça, on a une liste. Je vous explique même pas. On essaye de faire tout, de prendre dans l'ordre, voilà, etc. Et selon la marchandise qu'on a en magasin aussi, oui, sur les shops de Nantes et Bordeaux. Puisque, évidemment, à Bordeaux, vous en retrouverez exactement des petites Epiphone, des petites Gibson. Thomas et toute son équipe. Et sur Nantes, évidemment, et sur le site internet d'Hurricane Music. Puisque, évidemment, nous tournons pour toute la société. En tout cas, voilà, deux guitares, à vous de voter. Voilà. À vous de voter, et à qui le t-shirt Gibson ? Ben, tirage au sort, les gars. Il est sur toi. C'est pas le mien que je vous donne, parce que c'est pas le mien, mais je, voilà, on vous envoie un truc, c'est un tirage au sort. Allez-y, hein, voilà, j'aime ci, j'aime ça, j'aime pas ça. Voilà. Bisous. Salut.